Bonjour à tous! Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de retour d'achat du Japon. Donc, je vais vous présenter quelques jeux aujourd'hui que j'ai achetés dans la ville de Okoyama. Donc, Okoyama est une ville située entre Himeji et Hiroshima. On a passé quelques jours à se balader dans le coin avec ma femme. On a été dans les petits villages de pêcheurs, très sympa. Je vous mettrai peut-être une ou deux photos d'ailleurs là, en incrustation, pourquoi pas, pour vous montrer la beauté des paysages qu'on peut avoir dans la, on va dire, campagne, c'est pas vraiment la campagne, mais en tout cas dans les petits villages japonais, qui sont vraiment très sympas. Et donc, Okoyama, pourquoi est-ce qu'on est passé là-bas? Tout simplement car nous avons des amis qui y vivent, un couple d'amis japonais qui ont déménagé là-bas il y a de cela 2 ans maintenant, et ils nous avaient proposé donc de passer dormir chez eux, donc on a passé 2 nuits là-bas. On s'est pas mal baladé, et puis ben, on s'est baladé surtout avec eux, ils nous ont montré des endroits très très sympathiques. Notamment, j'ai pu découvrir une nouvelle chaîne de magasins, alors j'ai plus le nom en tête, je vous le mettrai là en lien, ou je ferai une incrustation tout simplement. Et franchement, très bonne chaîne de magasins qui proposait des choses intéressantes, donc je vais vous présenter ça. J'ai 5 jeux à vous proposer aujourd'hui. Donc il y a 2 jeux Super Famicom et 3 jeux PlayStation 2. Non, 2 jeux PlayStation 2, pardon. Donc 4 jeux, en fait, je me suis un peu trompé, pardon. On va commencer tout d'abord par un jeu que j'ai pris qui n'était pas cher du tout. C'était vraiment pour la collection, car il n'est jamais sorti aux États-Unis. Il s'agit tout simplement du Shining Wind. Donc Shining Wind fait partie de la série des Shining, développée par... distribué par Sega. Je sais pas qui a développé celui-là d'ailleurs, pour le coup. C'est pas l'opus que je connais le mieux. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il est très beau d'un point de vue visuel, avec un aspect un peu 3D isométrique. Après, c'était vraiment pour la collection, donc je vais pas tergiverser très longtemps sur ce jeu. J'ai chopé également une version collector d'un jeu que je possédais déjà en version PAL. Donc ce jeu, c'est Phantom Brave. Voici la version PAL qui est dans ma collection depuis 2 ans. J'y ai pas joué encore. C'est un jeu qui est un peu en mode Disgaea, si on peut parler ainsi, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Les experts de RPG me donneront leur avis et leur précision dans les commentaires s'ils le souhaitent. Et donc j'ai trouvé cette version limitée au Japon. Donc Phantom Brave avec, on va l'ouvrir ensemble, un peu ce qu'il y a à l'intérieur, le jeu évidemment, un petit artbook et la bande son que nous avions également dans la version PAL. Donc je vous présenterai ça immédiatement avec une présentation notamment du artbook. De la collection qui était vraiment sympa, et donc j'ai chopé également 2 jeux. La version collector, pardon, j'ai pas précisé, elle était à 200 yens, donc 1 euro. Donc, forcément, quand on voit des beaux objets à ce prix là, même si c'est juste pour décorer pour la collection, forcément c'est difficile de résister, et donc je me suis fait plaisir. Alors, en ce qui concerne les jeux Super Famicom, il y en a 2, je les ai préparés ici. Il y a un jeu qui est en état correct, qui est pas mint. Il s'agit d'un F1 Grand Prix sur Super Famicom que j'ai chopé donc au prix de 100 yens, donc ce qui fait 80 centimes. Il est bien sûr complet. À part la boîte qui est un peu
jaunit très légèrement, sinon elle est nickel. Donc c'est un jeu où vous jouez avec des vrais pilotes de Formule 1. Vous avez du Nigel Mansell, ce genre de choses. Et alors je sais pas si on le verra, mais en fait c'est en vue du dessus, en 2D, donc assez sympathique avec les vieilles voitures McLaren, etc. Donc plutôt plutôt sympa, un bon petit jeu. Je sais pas d'ailleurs s'il est sorti chez nous ou pas, mais au vu de son genre de jeu, donc un jeu de sport de Formule 1, je peux imaginer qu'il a son équivalent sorti en Europe. Et enfin un jeu sorti lui en Europe que je recherchais assidûment et vraiment content de l'avoir trouvé. Je l'ai payé 3200 yens, ce qui fait à peu près 28 euros. Il est en état nickel, ça fait vraiment plaisir. Il s'agit du Super Metroid. Donc Super Metroid qu'on ne présente pas, c'est la suite bien sûr de l'opus sorti sur NES. Donc Super Metroid avec Samus Aran, évidemment comme héroïne principale. Donc un jeu qui a lancé la mode d'ailleurs des Metroidvania, où vous devez vous déplacer sur toute la carte pour pouvoir trouver certains items qui débloquent d'autres parties du niveau. Donc un jeu vraiment très sympathique, un des meilleurs jeux bien entendu de la Super Famicom. Et qui est, je vais vous le montrer immédiatement, en super état. D'ailleurs, on s'attardera un petit peu sur les artworks de celui-ci. Et donc voilà, ça termine donc tout simplement les achats du Japon à Okayama. On se retrouve très prochainement à Kurashiki, qui est une petite ville très mignonne juste à côté d'Okayama, sur lequel on a passé la journée avec nos amis. Et je vous présenterai à ce moment-là énormément de jeux Super Famicom que j'ai trouvé là-bas à tous les jeux étaient à d'excellents prix. Je vous dérange pas plus longtemps. Je vous dis à la semaine prochaine, samedi matin, 9h comme d'habitude. À très bientôt. Ciao, ciao!